à considérer d'autres domaines comme celui justement des techniques et de la science de manière générale. Pour combattre aussi un préjugé qui existe aussi concernant l'Afrique, selon lequel les Africains n'ont jamais forcément inventé des techniques. Ce musée pourra montrer que ce n'est pas conforme à la réalité. Non seulement c'est une grande opportunité pour les œuvres sénégalaises, mais même si on a une vision beaucoup plus large et qu'on pense Ouest-Afrique et qu'on a une vision panafricaine, on pourrait considérer, puisqu'il s'appelle Musée des civilisations noires, qu'on puisse y garder des œuvres qui viennent du Bénin, du Mali, du Burkina, du Niger, en attendant que ces pays se dotent en infrastructure ou même dans une logique de faire circuler les œuvres dans les espaces.